Bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et je pense qu'on m'entend pas très bien, ça devrait être un peu mieux par là. Je vais essayer de voir avec le retour. Ouais, ok, ça a l'air d'être à peu près bon. Peut-être une petite musique de fond, j'espère que ce sera pas trop fort. Globalement, peut-être un peu faible. N'hésitez pas à me dire de toute façon sur le retour si jamais c'est bien ou pas. Donc bonjour à tous, déjà merci à BDynamique d'avoir follow la chaîne, ça fait plaisir, surtout que ça fait un moment que j'avais pas live. Donc on se retrouve pour le live bilan des 18 mois du blog. Comment pour la musique ça a l'air d'être bon là, ouais. On se retrouve pour le live bilan des 18 mois du blog, ou les 1 an et demi à peu près si vous préférez, que je fais tous les 3 mois quasiment pour faire un petit rapport sur le blog, sur ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois, donc là durant la saison d'été. Et voir un peu voilà, les articles que j'ai fait, est-ce que j'ai rempli les objectifs que je voulais faire la dernière fois, donc, pour les 15 mois. Le futur aussi, comment ça se passe et comment se comporte le blog pour le moment. Donc lors du dernier live, le dernier article que j'avais posté, c'était le rapport de FGO de juin 2022. Donc on commence tout de suite avec là, donc le journal du docteur qui continue encore un peu à se porter bien, où cette fois j'avais parlé de light novel d'après ce que je vois sur l'image. Et on revenait un peu sur le bilan des 15 mois du blog. Vite fait, c'est de retourner un peu dessus. Qu'est-ce que je parlais? 3 mois chaotiques, ouais, c'est vrai qu'il y avait le truc avec la sortie d'anime qui était pas forcément super top. Mais des gros coups de cœur, il y avait pas mal de coups de cœur et tout ça. Un article aussi sur une convention. Crit Press, l'attaque des titans, c'est vrai que j'ai fait. Le début des vidéos sur Spirit Seeker. Et je vois que j'aime pas la vidéo, faudra que je répare ça après. Et si les articles sur certains alibes, on reviendra encore un peu parce qu'il y a eu du changement là-dessus, ou pas beaucoup, enfin vous verrez de toute façon quand il y aura ça. Et la rubrique jeux vidéo, alors là pareil, faudra qu'on en revienne un peu après. Du coup, il y avait ça qui était assez bien. Après, voilà, bon, retour un peu des activités normales, journal du docteur, où je lisais surtout un peu des séries. Là, déjà, quelques petits trucs un peu qui changent. Donc, il y a eu Journal de ma solitude, qui est un peu une sorte de roman graphique. On va essayer d'aller dessus. Une sorte un peu de roman graphique, je pourrais appeler ça autobiographique, voilà, d'un auteur. Qui, comme de toute façon le dit le titre un petit peu, Solitude d'un autre genre, qui parle un peu de l'auteur, voilà, dessin histoire vraie de Kabi Nagata, qui revient un peu sur son histoire, sur comment est-ce qu'elle a réussi un peu à convaincre comment est-ce qu'elle a subi une certaine solitude et réussi un peu à la vaincre dans son quotidien en tant qu'auteur, qui était quand même une histoire assez intéressante en vrai. Elle a sorti aussi d'autres œuvres sorties chez Pika Edition, que j'avais parlé à un autre moment, mais pas forcément sur l'article à part. Donc ça, c'est pareil, c'est un titre qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant, donc j'aimerais bien en parler. Il y avait l'agence des Magical War Girls aussi, qui je crois que j'avais pas encore lu à ce moment-là, où j'avais fait un article pour le JDD, où j'ai lu les 3 premiers tomes début juillet, d'après ce que je vois.
qui pareil là c'est fait, ben, c'est un light novel un peu fait par un auteur français que je suivais déjà un moment et que j'avais hésité à l'époque aussi à prendre les light novels. Lors de l'un de ses derniers crossfunding, je me suis finalement lancé, j'ai finalement acheté les 5 premiers tomes, qui étaient franchement plutôt cool. J'étais revenu voilà, un peu plus tard après sur la suite, un petit peu les deux autres tomes encore qui manquent. Et concrètement, voilà, des romans que je vous recommande, peut-être pas forcément si vous découvrez les light novels, vous n'êtes pas forcément habitué. Après, bon point, déjà c'est assez rapide à lire, je trouve, c'est assez facile. Même si à certains passages, peut-être un peu au début, c'est vrai qu'un peu au début, faut pouvoir rentrer dedans dans l'univers, mais une fois qu'on rentre dedans, si jamais ça nous plaît. C'est quelque chose, moi je trouve que j'ai plutôt bien apprécié. Et en plus, le format qui est cool, c'est vraiment des petits formats qui rentrent dans la poche. Ça m'a vraiment surpris. On ne trouve pas forcément ça par rapport avec des mangas ou d'autres trucs. Mais ouais, sinon, le début juillet, de toute façon, là, c'est ce qui s'est passé aussi déjà un peu l'année passée. C'est pendant les vacances d'été, d'habitude, c'est surtout calme un peu au niveau des articles. J'essaie de poster quelques trucs, mais vu que je sais qu'il y en a qui sont en vacances, comme moi, j'ai peut-être pas forcément tout le temps non plus. J'essaye de rester un petit peu calme là-dessus et de sortir pas forcément trop d'articles sur des titres, mais avancer un peu sur mes lectures. Il y a quoi là? Pareil, un truc où j'ai continué Shy, où je m'étais dit à ce moment-là qu'il faut que je relise un petit peu les autres titres, enfin un petit peu les autres tomes. On reviendra à ceci un peu plus tard, il y a eu du changement là-dessus. Et après, pareil, rapport FGO de juillet. On va retourner du coup page 1 sur l'accueil. Il y a eu quoi ensuite? Blue Period, un tome où j'avais fait un article cette fois pour un peu fêter, enfin fêter, parler des 10 ans, enfin des 10 ans, des 10 tomes de Blue Period, faire un petit point déjà sur ça, qui au final ça va, je pensais avoir écrit un peu plus, mais finalement j'ai quand même un peu détaillé ce que je pensais déjà de Blue Period à ce moment-là, et comment évolue la série, qui évolue d'ailleurs très bien, on en reparlera de toute façon avec le 11e tome, qui je crois que j'ai pas encore sorti d'article, ouais, avec FSA, mais je crois que j'ai pas encore sorti l'article dans les brouillons. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pareil, vous voyez, de toute façon, j'ai fait un article spécial pour le 11e tome et on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a eu Journal du Docteur avec Errance et Karakuri Circus que j'ai découvert, qui était aussi pareil, plutôt pas mal. I Am Love with the Villainess, qui est un light novel. Pareil, j'avais fait une critique sur le premier tome, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'avais fait une critique sur le premier tome que j'avais pris un peu de moment à lire. Et sur le deuxième tome, c'était un peu particulier cette fois parce que j'avais acheté le roman numérique. J'avais lu un petit peu pendant mes vacances et pendant un peu pendant en soirée pour avancer dessus. Alors le roman est vraiment super fat, même quand je l'ai lu en physique là, parce qu'il est sorti récemment en physique fin juillet. Il est vraiment super fat, donc je suis plutôt content quand même déjà d'avoir lu un peu numérique, ça me permet de prendre un peu d'avance et de pouvoir vous en parler un peu plus rapidement. Et c'était aussi une expérience, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de lire beaucoup de titres en numérique, à part quelques mangas. Et en vrai, j'ai quand même parlé pas mal sur cette série, mais c'est vrai que c'est une série que j'aime bien. Hein, j'avais envie un peu plus d'en parler, qui n'est pas forcément très mise en avant, même s'il y a une certaine communauté. Je vois par exemple sur le Discord de la nouvelle qu'il y a une certaine communauté déjà un peu de fans de la série. Mais voilà, j'ai envie d'en parler, c'est quelque chose que je continuerai un peu à mettre en avant avec le reste de la série, sachant que moi il n'y a que 5 volumes de light novel, donc ce sera pas forcément trop d'articles non plus. Là je revenais sur les. C'est un article d'heure que j'ai fait à part, je crois que j'ai fait ça dans un JDD, mais même pas, où je revenais un petit peu sur 3 titres de la collection XS de Noévé Graphique. Avec un peu de tout en vrai, Yokai Appartement qui est très bon encore, Murdoch Samble qui est par l'auteur, c'était le scénario, non je crois que ouais, c'était par l'auteur de A Silence Voice et To You Eternity, c'était je crois sa première œuvre, mais que j'ai pas forcément trop accroché pour le moment, donc on verra un peu par la suite. Je crois que c'est en 7 tomes, 7 ou 8 tomes, je sais plus si j'ai marqué là-dessus. 7 tomes, ouais, c'est en 7 tomes, j'ai pas forcément trop accroché sur le tome 1, mais je vais quand même essayer de continuer déjà parce que j'apprécie l'auteur et quand même voir un peu par la suite si je peux donner une chance ou pas à ce titre. Parce qu'il y a eu d'autres surprises même dans le mois encore avec des titres que j'ai plutôt bien aimé. Enfin, j'appréciais pas forcément le premier tome, mais par la suite j'ai plutôt bien aimé. Il y a eu Journal du Docteur sur Solaline et d'autres titres encore un peu qui revenaient, genre Le Personnage ou encore Tsugumi Project qui revenait après, je crois, plus d'un an, un an et demi quasiment, on n'avait plus de tomes. Pas grand chose à dire dessus, mais à part que Solanine, je vais peut-être essayer d'en faire une vidéo. Enfin, ça va être un truc un peu spécial, mais je vais essayer de faire une vidéo pour parler de cette série et d'autres séries. Et pourquoi pas peut-être faire un article avec vraiment mes grosses recommandations, un peu tout public ou pour certains types de lecteurs de manga. Donc je dis, pour moi, je sais pas encore quand ça arrivera. Faut déjà que je fasse aussi un autre truc sur des titres que je vais arrêter. Ça paraît, on reviendra peut-être un peu plus tard. Agamega Kill, un classique oublié. On va revenir vite fait sur cet article. Ou là pareil, ouais, je m'étais fait pendant mes congés l'intégrale d'Akame ga Kill que j'avais acheté au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'avais écrit quand même pas mal. J'en ai fait de toute façon après juste un article à part où j'ai ressorti un peu le truc. Et franchement, la série est bien, clairement.
Là, bon, il y en a peut-être qui ont peut-être pas fait gaffe ici, mais c'est vrai que j'avais inversé les deux. C'était fait exprès parce que j'avais vu que ça avait un peu une illustration. Et c'est vrai que bon, en vrai, c'est con parce que, genre, l'illustration, t'es obligé d'inverser les deux tomes. Donc, dans une collection, c'était pas forcément mieux. Mais rien qu'avoir une illustration comme ça, un peu double avec deux personnages assez importants pour la série, je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Alors, je crois que c'est une idée de l'auteur, ouais, pas forcément de Kurokawa, c'est une idée de l'auteur. Mais clairement, c'est quelque chose de cool. Killer Shark in Another World, que j'avais parlé, sinon Alice, pareil, j'avais pas forcément trop aimé sur son tome 1, mais le tome 2 m'avait déjà un peu plus convaincu. Mais voilà, j'avais décidé d'en faire un article un peu à part parce que Agamega Kill, j'avais regardé l'anime, j'avais bien aimé, je savais que le manga était différent. Il est différent quand même sur certains points. Le début ça va, ça reste assez similaire, mais à la fin change quand même pas mal de choses. Et au niveau des deux, je crois que j'en avais parlé de toute façon dans l'article, mais les deux ont à peu près leurs qualités et leurs défauts, je trouve. Enfin, leurs qualités, les deux ont leur qualité. On a tendance à en parler, voilà, ça reste un classique quand même qui mérite d'être lu, je trouve. Un bon shonen un peu sombre avec un univers un peu sombre et des personnages qui meurent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je sais pas si je l'avais marqué, je crois que j'avais marqué ouais, que les deux voilà, ont beaucoup de différents, mais ils se valent plutôt bien. À la limite, l'anime ouais, apporte une fin un peu plus sombre, tandis que le manga apporte des affrontements plus épiques et rythmés. Je sais que la fin de Gamega Kill sur le manga, il y a certains trucs, j'étais un peu surpris sur la fin. Je m'attendais à ce que certains personnages meurent, en tout cas qui mouraient dans l'anime, mais qui mouraient pas dans le manga, donc ça m'a un peu surpris. Mais ça me permet justement d'avoir une vision un peu différente et une fin un peu différente pour ceux qui préféraient soit l'anime, soit le manga. The Witch and the Beast, pareil, je continue encore d'en parler, c'est vraiment une très bonne série que je vous conseille. Tome 7, un petit peu en dessous, je trouve. On voyait un petit peu moins les deux personnages principaux, Guido et Asaf. Mais clairement, pour moi, ça vaut toujours le coup. Et même, Pika Edition en avait parlé dans leur Pika Podcast, où ils recommandaient aussi la série qui n'était pas forcément trop mise en avant. Un journal du docteur avec Éclat d'âme et. Comment il s'appelle le titre? Je sais même plus. Mais Éclat d'âme, pareil, gros coup de cœur. Pas de communauté LGBT, de différence, d'acceptation de soi aussi un peu. Franchement, m'avait bien plu. Et Mutsisoshi Color, voilà, comme ça s'appelle le titre de chez Noévé. Avec ce sac que j'avais posté en plus, un truc à la con, genre après cette note finir en caca, en fin de compte finir en caca, ça fait réfléchir, que j'avais posté sur Twitter et qui je sais pas pourquoi, a percé comme un truc de fou. Alors que c'était. En plus, j'ai marqué quoi? J'ai marqué 4 lignes à peine sur le manga. Mais ouais, ça m'avait plutôt surpris, c'est vrai que ça avait bien marché. Autre titre que j'avais lu pendant mes vacances, c'était Magical Task Force Asuka. J'en avais parlé dans l'article, mais pareil, je me dis peut-être que chaque année je vais essayer de faire un titre de Magical Girl dans son intégralité. L'année dernière j'ai fait Magical Girl Sight. Cette année c'était Magical Task Force Asuka. Qui en vrai j'en attendais beaucoup. J'étais plutôt surpris. Il y avait des points intéressants, mais d'autres points un petit peu qui auraient niveau Magical Girl qui auraient peut-être pu être mieux travaillés ou un peu inférieurs par rapport à d'autres séries, je trouve. Mais ce nouveau aspect militaire et tout ça, c'est franchement très bien. Ok, heureux. Je disais quoi du coup? Ensuite, on a eu le rapport de Fate Grand Order durant le mois d'août. Qui paraît, je crois qu'il n'y a pas eu grand chose dessus. Enfin, il y a quelques petits retours, mais sinon, globalement, c'était un bon mois d'août, hein, assez sympa. Je crois que j'avais fait quelques. C'était pas ce mois-ci ou c'était peut-être le mois de juillet où j'avais fait pas mal d'invocations. Ouais, c'était le mois de juillet, je crois que j'avais fait pas mal d'invocations sur la série. Ouais, tout est un peu plus calme, d'après ce que je vois, ouais. Pas mal d'interludes. Donc pareil, moi plutôt calme. Un autre mois, pareil, là où cette fois j'avais parlé des deux titres de Abinata. Spider, pareil, je continue un peu les vidéos là-dessus. Kabina Nagata, voilà, journal de ma solitude, comme je disais avant, et boire pour oublier ma solitude. Qui, pareil, bon, j'en ai même un petit peu parlé, qui sont assez particuliers. Journal de ma solitude m'avait assez surpris parce que le titre était quand même assez grand, donc enfin, assez gros, je trouve le manga. Autre chose pareil que j'avais fait pendant mes vacances, c'était relire l'arc du dôme de Tokyo de Shai. Qui, bon, pareil, pour ceux qui l'avaient peut-être lu, genre, en vrai, là je trouve que c'est peut-être l'un des articles où j'ai peut-être le plus, peut-être pas forcément le plus écrit de trucs. Je pense que celui sur Kemori Kusa, il doit pas être loin derrière non plus, voire même un peu devant. Mais clairement, j'ai pris pas mal de plaisir déjà à lire cet article, enfin, à écrire cet article et à relire un peu la série. Permettre de redonner un peu une autre vision et me dire ouais, il y a quand même en vrai des choses qui sont bien bien mises dans cet arc, mais sûrement juste les shinobi où j'avais un petit peu de mal, et même en relisant je me dis il y a des trucs qui auraient peut-être pu être un peu mieux exploités. Mais c'est vrai qu'après en discutant avec d'autres personnes et en relisant un peu la série et me posant un peu plus après, je me dis il y a quand même des trucs qui sont quand même finalement bien faits dans cet arc. C'est juste, je pense que le petit défaut c'est peut-être voilà que
L'arc dure, bon, je vais peut-être pas compter le tome 4 parce que c'est vraiment juste le dernier chapitre. On va dire à partir du tome 5 jusqu'au tome 9, donc ça fait 5 tomes. 5 tomes, ça fait quasiment un an, peut-être pas un an et demi, ouais, on va dire un an si jamais on a un tome tous les 2 mois, un an de publication du manga. T'as le temps d'oublier des choses entre le tome 5 et le tome 9. Sachant que pareil, le passé des Shinobi est un peu éparpillé un peu partout. T'as une partie un peu au tome 5, je crois que tome 6, t'as peut-être une partie aussi. Et après, t'as surtout le reste vers le tome 8, tome 9, donc t'as le temps un peu d'oublier des choses. Mais globalement, voilà, une série, un article un peu différent qui n'a pas forcément trop percé non plus. Mais que j'avais plutôt bien apprécié écrire. Préparer en continu le journal du docteur. Wandering Witch, qui pareil, j'en avais parlé. Je voulais en parler un peu parce que je parle pas trop de la série alors que c'est une série que j'aime bien, que j'aime assez bien, surtout avec son anime qui est excellent. Et comme j'ai dit dans l'article aussi là-dedans, c'est. Je trouve la série, pour commencer, c'est peut-être un tome qui peut être bien pour commencer, pour donner envie aux gens de s'intéresser à la série. Parce que ça parle d'un arc qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qui s'était passé avant. Et en un tome, on a. Enfin, on fait. Le tome commence. Enfin, le début de l'arc commence directement au début du tome et se termine à la fin, la dernière page. Donc ça permet, voilà, de finir un arc en un tome et avoir une petite vision aussi pour ceux qui aimeraient peut-être découvrir la série. De quoi est-ce que ça parle et quelle atmosphère que ça dégage. J'ai fait un article sur Choupi aussi. Un peu particulier, j'avoue que je suis parti un peu dans un délire là-dedans, je voulais tester un truc. À la base en plus, à la base parce que j'avais acheté un tome de Choupi, c'était juste pour faire une photo qu'au final j'ai pas fait, pour partager sur les réseaux sociaux, pour tacler en plus ces trucs de Tatsuki Fujimoto. Et au final je me dis vas-y tu sais quoi, on va partir complètement dans un délire, on va faire un article sur un tome de Choupi, voir ce que ça va donner. Et pour le prix, je crois que j'avais parlé, ouais, quasiment 5 € le truc, c'est chaud, hein, c'est chaud. La fin d'Elfenlied que j'ai parlé, comme d'hab, assez bien, un peu surpris aussi sur certains trucs, mais c'était assez bien. Casting de Spirit Seeker, un article assez récent, voilà, qui date de fin septembre, où la rentrée, pareil, elle reprend un peu en douceur, mais j'essaie de faire quelques articles un peu plus travaillés. Donc ouais, Spirit Seeker, où je parle un peu plus du casting de la série, les doubleurs. J'ai fait une vidéo aussi, je sais pas si elle marche, normalement oui. Je crois que je l'avais mis, ouais. Une vidéo qui marche où je mets aussi un petit casting vocal avec ce que pourrait donner, enfin, ce que pourrait donner les doubleurs dans leur rôle une fois que l'anime sera sorti, en fonction de ce qu'ils ont déjà fait par rapport à d'autres personnages. J'ai parlé de Pandemonium aussi, qui paraît, je crois, a pas trop marché, alors que c'est une collection, c'est déjà en 2 tomes, c'est pas forcément très facile à trouver, je trouve. Mais moi, j'avais un peu galéré, il restait plus forcément trop de stock, et en librairie, je le vois assez rarement. Et pareil, le format, c'est vraiment le gros format, le truc est en couleur, et je crois que c'est 15 € le tome quasiment. Donc, c'est pas forcément le plus évident à trouver. Mais pareil, une série qui m'a assez touché, que je voulais vous parler. Et après, on en arrive un peu sur les derniers articles, donc les bilans et coup d'œil sur les animes de la prochaine saison. Bilan, alors il y a même des animes que j'ai pas encore fini de regarder aujourd'hui alors que j'en ai parlé, mais pareil, ça j'étais revenu dans les articles, il y a vraiment des choses. Cet été, je me suis dit cet été, je vais essayer de rattraper un peu mes animes et pourquoi pas essayer de regarder Naruto et tout ça, enfin, essayer de rattraper quelques trucs que j'avais en retard depuis un bon moment. Au final, j'ai presque pas avancé, que ce soit faute de temps, de stream aussi. C'est vrai que même si j'ai pas stream, je regarde beaucoup de stream, et ce qui m'a bouffé pas mal de temps. Et là, j'ai l'impression que pour automne, ça commence pareil. Pour moi, j'ai regardé aucun anime de saison encore. Ouais, aucun. J'allais dire peut-être non. Non, ouais, pour moi, aucun. Donc, ça commence mal. Je vais quand même essayer de rattraper un peu et me tenir à jour, mais avec tout ce qui sort, c'est assez compliqué. Et après, pareil, voilà, dernier article, c'était un journal du docteur où il y aurait dû avoir à la base ce live dedans et le bilan, mais au final, il n'est pas arrivé. Et le rapport de Fate du mois de septembre qui est sorti il y a 4 jours, l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, vous voyez, il y a un peu moins d'articles que d'habitude. En vrai, il y a quand même eu des trucs sur certains mangas. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait avant, anime, à part les animes de saison, ça fait un moment que j'ai plus trop. Si, il y a encore eu Spirit Seeker, mais sinon, ça fait un moment que j'ai plus trop parlé d'animé. Après, comme dit, à part les animes de saison, j'en ai pas regardé beaucoup. JDD, ça c'est normal. Jeux vidéo, pour moi, il n'y a rien eu d'autre à part Fate Grand Order. Hélène, il y a eu. Il y a quand même quelques trucs en fait. Il y a eu l'agence des Magical War Girls et I Am Love The Wilderness. Yokai, il n'y a rien eu. Et Japon, je crois qu'il n'y a rien non plus. Et sinon, j'ai la rubrique Spirit Seeker. Ou pareil, tome 13 que j'ai lu mais qu'il faut que je relise pour faire la critique. Donc, ça c'est bon. On va venir un petit peu sur les articles en cours. Article publié, on est déjà à 280, c'est quand même déjà plutôt bien. On se rapproche des 300. Je sais pas si je ferai un truc spécial pour les 300, je pense pas. Peut-être une fois que je serai aux 500 ou aux 1000, on verra. Oui, j'ai la gorge, je suis un peu enroué. Mais sinon, au niveau des articles qui sont en cours et qui sont préparés, il y a le journal du docteur 81, donc le prochain, où j'ai lu Les Carnets de l'Apothicaire et Undead Unluck.
On parlera de ça. Et pareil, j'essaierai de faire un petit truc, petit bilan écrit sur le bilan du blog, voilà, sur les 15 mois. Le rapport de Faith and Order octobre, pour moi, bon, pas grand chose encore. J'ai pas rajouté trop de trucs dessus. On est encore début de mois, donc il y a le temps. J'ai fait une critique sur le manga Girl Last Tour, qui est voilà, déjà complètement prête. Tout est prêt. Je crois que j'ai même corrigé un petit peu l'article. J'ai rajouté des images et tout ce qu'il faut. Qui est prêt à être posté. Donc j'attends encore un peu avant de le poster, de trouver un bon moment. C'est vrai que le mois. J'aurais peut-être pu le poster la semaine dernière, mais je préfère un petit peu attendre avant de le poster. Surtout que j'ai d'autres trucs encore qui j'aimerais sortir un peu en priorité. Pareil, le tome 11 de Kaguya-sama, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a eu des trucs assez intéressants dedans. Pareil pour le tome 11 de Blue Period, donc deux tomes 11. Spirit Seeker, pareil, ouais, ces trois articles là, Girl Last Tour, Kaguya-sama et Blue Period, sont trois mangas qui sont, enfin trois articles qui sont déjà prêts, qui sont voilà, prêts à être publiés. Il faut juste que je les programme à la date voulue. Mais ouais, Girl Last Tour, je vais attendre un petit peu, je vais peut-être plutôt poster cela vu qu'ils sont un peu plus d'actualité. Girl Last Tour est sorti depuis un moment, donc ça sera peut-être un peu moins de gens. Et pareil, Spirit Seeker tome 13, j'ai pas encore commencé à l'écrire, faut que je relise le tome et que j'en parle. Les autres, alors, j'avais parlé un petit peu au début que j'avais l'article sur Zombie Desuka et sur Hot Taxi aussi qui sont prêts depuis. Enfin, préparés déjà depuis un bon moment, voire quasiment presque un an pour eux. Là, on est à 9 mois. Pour le truc de Zombie Desuka, où il a été créé. Dernière modification, même pas quand est-ce qu'il a été créé, la dernière modification. Et Hot Taxi, ça fait 7 mois. Donc quand même un gros moment. Et ouais, pareil, là maintenant, faut que je me motive. Je vais essayer de me motiver un peu plus. Zombie Desuka, j'ai commencé à écrire quelques trucs en plus. Faut juste que je regarde encore les 3 derniers épisodes et peut-être les premiers encore pour refaire des screens. Mais je vais essayer de faire ça assez prochainement pour que ce soit vite terminé et que j'en finisse avec ça pour une fois. Et Hot Taxi, pareil, alors j'ai pas forcément envie de l'abandonner non plus, parce que ça parle quand même d'un truc de jeu vidéo aussi, l'addiction aux jeux vidéo qui pourrait être intéressant, je pense, à parler. Mais sinon, ouais, globalement, c'est quelque chose que je vais essayer de faire assez rapidement, et cette fois, je vais quand même essayer de m'y tenir, parce que ça fait deux bilans que j'en parle, et pourtant, le truc est toujours pas fait. No Cœur Évanescent, le tome 8 est sorti, j'ai toujours pas relu, ça faudrait que je m'y mette aussi. The Immortal Pandemonium, c'est pareil, c'est un anime qu'il faut que je regarde, mais probablement. Ah non, ça c'est sur un personnage, même pas. Ça c'était sur un personnage d'anime, sur un personnage de Shokai Shoujo aussi, je ne viens de Jiro. Donc ces deux articles, pour moi, il faudrait que je revoie l'anime. C'est pas encore fait. Ça, pareil, j'avais dit, je crois, de toute façon, la dernière fois, je donne pas forcément de date, c'est pas une priorité. Je vais déjà m'occuper un peu de ces deux ici, Zombie Desuka et Taxi. Mais voilà, c'est des choses qui seront à faire. Idée JDD, bon, ça fait un moment que je ne vais plus forcément dessus, et vu que je parle plus trop d'actualité ou d'autres choses sur les JDD, j'ai un peu laissé tomber, mais je garde encore l'article si jamais j'ai envie d'en rajouter une fois. L'atelier des sorciers, ça de toute façon c'est autre chose, c'est juste un modèle que je garde comme ça. Garei, pareil, toujours pas encore relu, j'attends qu'un peu avant de le faire. Et Karen Okukai, pareil, j'ai toujours pas encore vu les films. Bon, ça me fait un peu chier parce que là ils étaient sur ADN, ils sont partis d'ADN. Donc bon, j'ai encore les dés pour les voir, mais pour les screens c'est un peu plus compliqué. Donc je verrai si je passerai pas par une offre pas forcément légale, ou si Netflix ou une autre plateforme décide de les remettre. Pour regarder là-bas de nouveau et prendre les différents screens qu'il me faut. Ou regarder si je trouve pas les screens sur internet, mais je trouve que c'est mieux si je les prends moi. Moi je peux choisir un peu ce que je veux. Donc voilà, c'est les articles un peu qui sont en cours. Il y en a déjà 3 de faits et d'autres que je vais essayer de faire assez rapidement. Au niveau brouillon, vous allez voir qu'il y a façon de consommer une œuvre que j'ai supprimée parce que c'est un truc au final j'avais plus d'idées là-dessus. Et Donjon Mystère Valérie Story. Donc j'en avais parlé un peu du dernier bilan, mais je joue à Pokémon Donjon Mystère, enfin Pokémon Mega Donjon Mystère même. En suivant l'aventure d'un youtubeur qui s'appelle Luc Elec. Et où j'essaye voilà, de rajouter un truc un peu RP, où j'essaye de présenter mon personnage avec un autre personnage qui s'appelle Valérie. Et on suit un peu leurs aventures en dans les temps RP. Donc voilà, j'incarne le personnage et j'essaye de rajouter des petits trucs par rapport au jeu de base. Alors vu que je suis un peu à la bourre sur son LP, il y a les deux derniers, parce que je crois que là il y a l'épisode 13 ou 14. Et moi je me suis arrêté au 8, j'ai écrit je crois jusqu'au 10 ou au 11. Et voilà, il me reste encore deux épisodes à faire. Yo des Spartes, bienvenue sur le live. On a commencé depuis un bon moment déjà, mais je reviens sur le bilan du blog. Pour faire un petit récap vite fait, je suis revenu un peu sur les différents articles en disant voilà c'était l'été, donc il y a eu des articles plutôt. C'était un peu moins chargé vu que c'était l'été. Et là je reviens sur les articles, je suis en train de parler des articles que j'ai annulés. Donc ouais, les articles Mega Donjon Mystère, où on peut essayer de rétablir, par exemple si je prends mon le 1 n'avait pas fait, je crois que le 3 a été fait. Si jamais je retourne dessus. J'espère que tu vas bien en tout cas des Spartes. Genre là, il y avait déjà les trucs décrits, mais en vrai ça me tente moins. Je me dis ça peut être cool, mais est-ce que les gens vont vraiment adhérer au délire si jamais je poste ça?
Et pareil, il faudrait que j'essaie d'avoir un certain rythme, et vu que là je suis déjà en retard sur le let's play que je regarde pour suivre cette aventure. Un article sur Apple. Ah, on pourrait aussi. En vrai, je pense que je vais en parler. À la base, je voulais pas non plus, mais je pense que je vais en parler sur le rapport de FGO, sur celui d'octobre. J'ai déjà pris en screen de toute façon les nouveaux prix. J'ai oublié de prendre les anciens, tant pis, mais je peux peut-être trouver ça sur Twitter ou d'autres réseaux. Mais ouais, on en parlera de toute façon sur le truc d'octobre. Mais ouais, l'article jeu vidéo ici sur Conan Mega Donjon Mystère, je pense que je vais, comme dit, je pense que je vais les abandonner. Je sais pas si ça va vraiment intéresser des gens. Et surtout que même moi, je suis en mode, je sais même pas comment est-ce que ça va finir. J'ai quelques petites idées, mais c'est déjà en train de partir en couille. J'ai plus forcément de grands souvenirs du jeu, donc c'est quelque chose, je pense, que je vais abandonner à la suite. Pour le reste, sinon, au niveau des abonnés, tout ça, des stats du blog, je crois qu'on a eu d'autres personnes qui sont abonnées. On a eu Sunred, qui une personne que je suis sur Twitter et qui je parle souvent, et pareil, je suis aussi abonné au blog. Et deux autres personnes que je connais pas forcément. C'est Mido, je crois, a un blog aussi. Ouais, Culture Geek, donc pareil, quelqu'un que j'avais découvert, je crois, sur Twitter, et j'ai commencé à suivre le blog, et qui pareil m'a suivi en retour. Et Tabuse, je sais pas qui c'est. Donc merci à vous si jamais vous regardez ce live, ou peut-être l'article aussi, j'ai mis ça dans l'article. Merci à vous d'avoir rejoint le blog. Lui faudrait que je le dégage, je sais pas qui c'est. Je voulais voir quoi. Au niveau des stats, si on regarde au niveau du mois, ça a été plutôt bon en vrai. Bon, c'est l'été, je sais que d'habitude, surtout en juillet, où j'avais pas trop posté en plus, c'est souvent les gens partent en vacances, donc il y a un peu moins de gens sur les blogs, enfin sur les blogs, sur internet et tout ça en général. Mais sinon, je crois que ça allait. J'avais eu un souci à un moment, c'est vrai, avec une page qui répondait plus. Mais si on regarde les articles les plus vus, je peux pas voir les articles les plus vus là des derniers mois. Page article, si j'essaie peut-être moi ici, ça me met quoi les articles les plus vus? Page vue, il y a eu le journal du. Ah non, c'était ce mois-ci, ok. Il y a eu la page d'accueil comme d'hab. L'édition de l'attaque, enfin le top 10 des tomes de l'attaque des Titans, ok, je pensais pas. Les journaux du docteur, ouais, je sais plus ce qu'ils ont de particulier. Le tome de Choupi qui a fait 11 vues, ça c'est parfait. Choupi qui fait parler. Parce que je vais pas me reconvertir en youtubeur Choupi, enfin youtubeur, en blogueur Choupi. Là j'ai quoi? Un rapport de Fate qui a bien marché, c'était lequel? Le mois de juillet, pardon, le mois de juillet a pas mal marché. Je sais pas s'il n'y a pas des gens peut-être qui avaient partagé. Et le truc sur Villainess aussi, donc là c'est peut-être la nouvelle qui avait retweeté l'article aussi qui m'a fait un peu plus de vues. Il y a des gens, enfin, il y a même des gens, j'ai de la Chine, du Canada, de la Guadeloupe, de la Finlande aussi qui regardent le blog. Et juillet, c'était quoi les articles les plus vus? Le Kirin, enfin des vieux articles, hein, je pense que c'est peut-être pour ça a peut-être pas mal tourné. Si on regarde au niveau des vues, je peux pas voir au niveau des vues, vues tous les 3 mois, peut-être tendance. Ah voilà, tendance, on peut voir un peu le nombre de vues par rapport aux années passées. Bon, après, 2021, c'était un peu le début du blog, donc il y a eu un peu plus de vues que l'année passée. On a dépassé un peu les vues par rapport à l'année dernière. Juillet, de pas beaucoup. Après, c'est souvent le mois un peu mort. Août, ça m'étonne, on a quasiment doublé. Et septembre, fois 1,5 à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais parler sinon encore? Je vais regarder mon bilan. Je vais vous le mettre dans le pire des cas. J'aimerais quoi, dernier article, ça. J'essaie de reprendre un rythme aussi meilleur depuis la rentrée. C'est vrai que là j'essaye de. Enfin, je pourrais voter, t'étais pas là des Spartes, mais au niveau des articles qui sont écrits, j'en ai 3 qui sont prêts. Sur Girl Last Tour, sur Blue Period et sur Kaguya-sama aussi. Donc déjà 3 de prêts qu'il faut juste que je programme. Spirit Seeker, faut que je fasse. Et là pareil, j'ai 2 trucs sur des animes que je vais essayer de faire assez prochainement. Bon. Ça fait 9 mois et 7 mois qui sont prêts, enfin qui ont été commencés, même pas commencés. Dernière modification que j'ai pu toucher. Mais là, je vais essayer de me motiver un peu pour le faire. Les articles, ouais, j'ai vite fait parler un peu des articles à faire et tout ça. Presque fini ça maintenant, du coup, c'est fini. Fermeture Discord, c'est vrai qu'il y a d'autres choses, je voulais revenir encore. Nouveau follow du blog, j'en ai parlé. Mise à jour du site, c'est vrai que j'y pense aussi à peut-être faire une mise à jour un peu du site. Parce qu'en gros, bon, le site me convient déjà comme ça, mais je me dis pourquoi pas essayer de rajouter des choses en plus ou le remettre un peu à neuf. Donc on verra ça, il y aura peut-être. Enfin, peut-être un stream d'ailleurs sur ça si jamais je refais. Je regarde trop stream. Pareil, ça, je suis trop sur Twitch et ça se sent avec ma consommation déjà de manga et d'articles aussi, voire même d'animés clairement, parce que des animés j'en ai pas beaucoup vu, je suis en retard sur pas mal de trucs. Et après la fermeture du Discord, c'est pas forcément grand monde qui l'a remarqué, je crois qu'il y a une personne qui m'a fait la remarque qui m'a fait la remarque, mais sinon il n'y a pas grand monde qui a remarqué, mais ouais j'ai décidé de fermer complètement mon Discord.
Il est encore en ligne. Il existe toujours, mais j'ai viré tout le monde, j'ai enlevé tous les liens pour se connecter. Pour moi, il y a justement, il me sert juste pour quelques tests. Mais ouais, vu qu'il fonctionnait pas trop, enfin, il n'y a pas forcément trop d'interactions et mis à part signaler quand il y a une nouvelle vidéo en ligne ou un article, il servait pas à grand chose. Donc je me suis dit, tant pis, on va le fermer. Et le reste, je crois que c'est à peu près bon, tout ce que je voulais dire. Mise à jour graphique, ouais. Enfin bref, pour moi, ça se porte plutôt bien. Mes objectifs pour les 3 prochains mois, moi, c'est mes objectifs pour les 3 prochains mois, c'est de. Ah, c'est Manga Connect, ok. C'est de continuer un petit peu les articles de nouveau, faire plusieurs trucs. Déjà finir les articles que j'ai en cours, et pourquoi pas essayer de regarder un peu quelques animes et faire de nouveaux articles animes. Articles jeux vidéo, pareil. À la base, j'avais dit que je voulais reprendre avec Pokémon Mega Donjon Mystère, mais j'ai pas repris. Il y a toujours que du Fake Grand Order. Dernier date de février, quand même, pour Illusion Connect. Donc, ouais, faudrait que je trouve un jeu à chroniquer. J'avais fait, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais fait sur Evans Buns Red aussi. J'avais préparé un truc mi-août où je me suis dit, je vais essayer de faire un article genre sur une semaine sur ce jeu. Au final, j'ai pas fait, je sais pas pourquoi, alors que j'ai normalement. Si on regarde, blog. Je crois que c'est nouveau dossier, ça va être là-dessus. Even Buns Red, voilà, j'ai des trucs, j'ai une vidéo même. Et j'ai des articles, enfin, j'ai complètement pas mal d'images dessus déjà, si on essaye. Qui parle un petit peu du jeu. Mais pareil, là maintenant ça fait un moment et le jeu, pareil, j'y joue plus trop parce qu'il est complètement japonais. Je comprends rien, je préfère attendre qu'il y ait une sortie occidentale, soit en français, soit en anglais, pour m'y remettre. Bon, ouais, c'est quelque chose avec JT à faire un petit article là-dessus, mais au final ça sera pas. Mais ouais, je suis encore à la recherche d'un jeu à essayer de faire pour le blog. Pas forcément aussi, soit un jeu mobile, ou peut-être pas forcément un jeu sur DS ou sur Switch. Soit un jeu mobile, soit un jeu peut-être sur Steam à faire. Mais il faut que je trouve un peu comment est-ce que je pourrais rendre ça. En tout cas, là, je pense qu'on va s'arrêter là. Plus grand chose à dire. À moins que t'as peut-être quelque chose à souhaiter, Spart. Tu cherches quoi comme jeu? Bah, je sais pas en fait. Un jeu peut-être un peu comme je fais sur Fate Grand Order, où je peux raconter peut-être journée par journée, ou peut-être phase par phase. Genre Pokémon, ouais, Pokémon ça pourrait passer, genre des trucs comme ça. Ou je pourrais essayer peut-être faire sur un fan game Pokémon, mais à voir. Mais ouais, genre des jeux comme ça où tu peux un peu planifier tes journées, pas forcément, où c'est juste un truc narratif, genre par exemple si je dois faire, si on regarde Steam. Qu'est-ce que j'ai par exemple sur Steam? Si on regarde. Genre Danganronpa, c'est pas forcément un jeu que je vais faire en article, parce que c'est surtout pas mal de lecture, il n'y a pas grand chose finalement à raconter à part spoiler les éléments du jeu. Qu'est-ce que j'aurais d'autre sinon peut-être comme jeu? Mais pareil, après ça fait un masse de temps que j'ai pas j'ai à part Fate Grand Order, ça fait masse de temps que j'ai plus forcément lancé trop de jeux. Faudrait que je m'y remette aussi un petit peu. Mais je sais pas, soit en stream. God Eater, je l'ai. Enfin, tu l'as vu dans la liste? Ça me dit rien. God, non, j'ai pas. God Eater, je teste. Attends, est-ce que c'est bien ce que je crois? Il est sur quelle plateforme? Sur God Eater, ouais, c'est ça, c'est ce que je crois. Je pense pas. Wipa, j'arrive, j'entends qu'il n'y a pas grand chose à raconter dans Danganronpa. Écoutez, monsieur Wipa, effectivement, Danganronpa, c'est de la merde. Je voulais toujours cacher, mais effectivement, c'est de la merde. Non, non, je disais juste que. Et bienvenue, Gandulf. Merci d'avoir follow la chaîne. J'espère que vous allez bien, en tout cas, Wipa et Gandulf. Mais ouais, je disais, c'est pas forcément un jeu sur lequel je pourrais faire un article. Parce que, à part peut-être spoil des éléments du jeu et lire des dialogues, il n'y a pas forcément grand chose à raconter, je trouve, sur. Enfin, pas quelque chose, forcément grand chose à raconter à l'écrit sur Danganronpa. Et c'est vrai que ça serait dommage de spoil des éléments du jeu. Ou alors je fais ça sur le free time. Je crois qu'il y a des. Sur Danganronpa 3, il y a des. Enfin, t'as le free time et t'as d'autres trucs que tu peux faire. Donc à voir. Enfin, free time. Shiki par Wada, accro, c'est pas dégueu. Un jeu de survie sinon? Ouais, ou ça, je sais pas. À voir. Qu'est-ce que j'ai là dans la liste? Alphenalf, Portal, Journée, ouais, je crois que j'avais dans l'idée à un moment de faire un truc sur Journée aussi, mais c'est pareil, ouais, quoique. En vrai, Journée, ça pourrait. Tu pourrais faire peut-être un truc. Tu stream du FG aussi? Non, non, je stream pas du FG, je laisse ça à Baku et à Uipa. Ou aux autres aussi, si on a d'autres qui stream. A voir, après, comme dit, de toute façon, j'ai plein de jeux encore à faire.
que j'ai jamais lancé. Il y a des trucs qui sont même pas encore installés sur ce PC. Terraria. En vrai, ouais, ou un truc sur Terraria ou Minecraft, ça pourrait être drôle. Terraria, dernière utilisation 2013, 2016, putain. Ça date. Et je crois qu'il y a une masse mise à jour. Je pourrais essayer de faire peut-être un truc là-dessus. Mais pareil, faut que je trouve le genre du coup, le temps du coup pour reprendre les jeux et pourquoi pas prendre des screens et faire des articles dessus. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer de réfléchir. Mais ouais, du coup, Wipa et Gandulf, vous arrivez sur la fin du stream. On avait parlé un peu du bilan du blog. Enfin, j'ai fait le bilan du blog en disant c'était un mois. Là, les 3 derniers mois, c'était un peu des mois calmes. Où j'avais fait quelques articles un petit peu, mais j'avais surtout regardé pas mal de streams et fait un peu mon feignant sur certains trucs. L'article de Choupi qui avait bien marché en vrai, ça m'a surpris. Au niveau des stats, pareil, en vrai, stats par contre, ça m'a surpris parce que je crois que j'ai 3 nouveaux abonnés durant les 3 derniers mois, alors que c'était l'été. Mais ouais, du coup, comme dit, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que le stream vous aura quand même plu. GG, écoute, j'ai pas fait grand chose. Surtout qu'en vrai, Sunred, c'est parce que je lui parle souvent sur Twitter et je follow son blog, donc je pensais peut-être un follow back. Et Mido, je sais que c'était du follow back aussi. J'avais follow et je crois que peu de temps après, elle m'avait aussi follow. Et Tabuse, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, Tabuse. Peut-être qu'il est ici sur le stream, dans ce cas-là, on le salue. Mais ouais, comme dit, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas, comme à vous d'être venu. Je crois que Tabuse Buzz, c'est Size. Ezel, ah c'est Ezel. Je sais pas, je vais essayer de lui demander pour voir. Quoi, j'ai jamais, je crois que j'ai jamais vu commenter non plus. Si on regarde les commentaires, je peux voir normalement. Des personnes. Pas marqué qu'il a commenté, mais je crois qu'il a jamais commenté. Si, je crois que je peux le voir sur là-dessus, commentaires. Non, ça me donne ça. Ça me donne pas les personnes qui avaient commenté, il me semble que si. Stats peut-être. Visiteurs. Sur l'année peut-être. Non. Auteur. Commentaires peut-être ici. Non, ça me donne juste les gens qui ont commenté. Tendance. Voilà, commentaires. Ouais, il a jamais commenté. Donc peut-être, j'essaierai de voir avec lui si jamais c'est lui Tabuse Buzz. En tout cas, comme dit, bon, on va s'arrêter là. Merci à vous, à Wipa, à Despart et à Gandulf aussi d'être passé sur le stream. Il y aura de toute façon une rediff sur YouTube et je ferai sinon un petit bilan aussi écrit sur le blog pour ceux qui ont la flemme de regarder la rediff. Il fera quand même 40 minutes quasiment. Donc voilà, j'espère que ce petit stream quand même vous aura plu. Que la musique vous a plu aussi en fond, si jamais on l'entend. J'espère qu'on l'entend, ça serait con. Et ouais, sur ce, je vous dis bonne soirée à vous et peut-être à plus tard si jamais on se revoit sur Discord ou un autre endroit. Salut!